Alors, on va partir sur le solo. On va essayer de voir. Normalement, le solo, je peux le faire avec le live. Donc, c'est vous qui allez me dire ça, en fait, si vous voyez que s'il y a trop de lag. Normalement, du drop, je devrais pas en avoir. Ça devrait bien se passer. Donc, on va lancer le jeu. On va partir sur le solo. Alors, on va faire une petite chose. On va être un petit peu, on va un petit peu tricher. Je suis dans une ville. Mano et Ville vont être à Perpète. Le problème, dites-moi si vous êtes d'accord. Le problème, c'est qu'ils vont prendre déjà du temps pour venir me rejoindre. Ils vont mourir et tout ça. Et donc, on pourra faire rien d'intéressant. Ce que je vous propose, c'est que je retépe tout le monde à la base. Comme ça, on commence tous les trois à la base. On vient d'avoir la horde, donc on a 7 jours, donc il y a moyen qu'on fasse des choses sympas. Si Isaac il va se faire tuer en boucle, tout ça, juste pour venir me rejoindre, c'est pas sympa pour eux, donc c'est moins bien. Et puis vous allez rien voir, parce que je vais devoir rentrer à la base à pied. Et en fait, on va juste marcher pendant la base, sur tout le chemin. Quitte à, si vous voulez qu'on fasse de l'exploration, à ce qu'on parte, une fois qu'on est tous les trois ensemble, qu'on parte tous les trois se promener. Mano solo. Ah, mais Mano, ils veulent te regarder jouer tout seul. Oh, ben moi, ouais, moi je veux bien. On regarde Mano jouer et on va commenter ce qu'il fait. Ouais, on peut faire ça. Il dort? Il est parti, Mano? Non, mais je peux pas streamer, moi. Je crois que vous l'avez fait fuir. Non, mais t'inquiète pas, hein. Je peux pas jouer et faire un live en même temps. Mon PC va pas tenir. Et Non, moi non mais en plus. fait, tu live de ton côté. Enfin, tu joues de ton côté, et moi je me mets au-dessus en vol et on te regarde faire. Comme ça, on peut attirer tout le monde sur toi, on peut faire tout. Non. Non, non, il a pas l'air d'être d'accord, les gens. C'est bizarre, hein? Je comprends pas pourquoi. Donc, on va mettre start. Je vais vous mettre, bah, du coup, le jeu. C'est assez suffisant. Voilà. Non, il veut pas. Le jeu charge, c'est pour ça. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc vous embêtez pas, TP, TP, c'est mieux. Ok. Bonjour ami. Oui, triche, c'est mieux. Ouais, c'est vrai que c'est un peu triche. Sinon, je les TP tous sur moi, en fait. Mais je suis dans une ville 0-0 et c'est la même chose, ils vont mourir. Donc voilà. Alors, Mano et Ville, il va falloir tout simplement que vous me rejoigniez via Steam. Je ne suis pas encore hors ligne. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Il n'y a pas de serpent sur ma partie. Normalement. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ça m'a l'air d'être une guêpe. Les guêpes, c'est pas grave. Non, je déconne, mais Mano Solo, c'était un chanteur. Oui, je connais Fulvio. Bon, la guêpe, c'est pas grave. La guêpe, on peut gérer. Ah oui, on est arrivé ici, on devait. Il y a un brûlant. Ouh. Alors, on va attendre parce qu'ils vont se connecter. Donc, ça va forcément faire descendre un peu mes FPS. On va voir si on peut supporter. Parce qu'en fait, Ça sera pas long, Starvation. moi j'ai un problème. Ok. On va quand même ramasser ça, hein. Quand même. Alors, qu'est-ce que j'avais encore? Ça fait longtemps que j'ai pu jouer à ce truc. Donc, on va mettre ça, on va retirer ça. On va prendre. Est-ce qu'on a besoin de prendre ça? Iron, non, on n'a pas besoin. Ça pourrait être intéressant, mais moyen. Oh, on va laisser tout là-dedans. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Tu lui donnes un PSG level 600 aussi. Non, non, ça va. Et où? Et oh. Oh mince. Oh, ça c'est sympa. Alors, ça se stack. Oh, le revolver, on va le garder parce qu'ils en auront besoin d'une. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va acheter? Les sandwichs. Note que la nourriture, on va peut-être être un petit peu à court au final. Bonsoir tout le monde. Et attendez. Parce que voilà, si on faisait ça sera un petit peu moins gourmand. Donc ça devrait aller un petit peu mieux. Hop, hop.
Et voilà. Et donc ça, c'est quoi? Advanced Combat Optical. Oh, ça a l'air d'être sympa. On va faire ça. Ok. Alors, du coup. Mano, il a le temps de mourir, hein, comme on est comme ça. Alors attendez, on va se mettre en debug mode. Où est-ce qu'elle était notre base? Où est-ce qu'elle était notre base? Elle était là, notre base. Pourquoi me TP quelque part où je serais safe et où je vais pas me casser la jambe? Vous pouvez me le dire? Hein? Vous pouvez me le dire? Non mais y a que moi pour me TP sur les toits. Bon, je me suis déjà TP une fois, on va pas exagérer. Hein, on va pas se TP en bas. Par contre, on va éviter de se casser une jambe. Voilà. Oh, ma petite base. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je t'avais plus vue. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on a du drop? J'ai pas l'air d'avoir de drop. Est-ce que ça ne lag pas pour vous? Par contre, il est 20h, donc il faut peut-être le TP. TP Mano sur moi. T'es dans le jeu? Oui. Ah ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Je peux pas te TP. D'accord. Tiens, essaye toi de faire dans la console. Donc F2, debug mode. Oui. Et alors, tu vois où je suis? Ouais, ça va, je suis à 2 km. Non, Tu je vois vois où pas je où t'es. suis? Ben, regarde, cherche après moi. Cherche après moi. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Mano? Il est là, Mano. Je suis vers le sud. Sud. Suis sur Sud. le toit. Ah bah écoute, maintenant tu te débrouilles et tu te casses pas la jambe, hein. Ah, je peux plus remonter te chercher maintenant, il faut que tu te débrouilles. Non, ça bug pas, non du tout. C'est qui a pété les plombs dans le jeu? Hein? Qui quoi? J'ai pas compris. Il y a personne qui a pété les plombs dans le jeu. Ça dépend si on parle de LOL, si. Ah oui, si vous parlez de LOL, il est possible en fait que on Evil fasse vite le tuto, mais qu'après plus rien. C'est bon ou pas? T'es Oui. où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Je suis redescendu. Et t'es redescendu où? Ah, ok. Et en plus, là maintenant, il aura tout laissé ouvert. Donc voilà. Et c'est bien, on commence par une nuit. Donc on a énormément de choses à faire pendant la nuit. Bon, bah, je vais dormir. Ouais, c'est ça. Allez, bonne nuit. Alors attendez, on va mettre à manger au petit casque. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse quoi là déjà? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il est déjà en train de casser toute la maison. Il vient d'arriver et il casse déjà tout. Voilà. C'est mieux comme ça. Il est où? Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait. C'est pas vrai, on t'a entendu casser des trucs. Non Et mais. alors, j'ai quand même rien fait. Mais alors, je n'ai rien fait. Bon alors, bah, ah oui, il va falloir. Le coffre à bordel, je n'ai pas eu le temps de le ranger vu que je n'ai pas joué entre les 2 épisodes. De Du toute façon, c'est coup, pas comme est-ce si qu'on j'avais a quelque du chose bois? dans mon inventaire. Non, toi non, mais moi je reviens d'avoir été looté, donc moi j'ai beaucoup de trucs dans mon inventaire. Non mais. Ah oui. Il y en a qui travaillent, tu sais. Attendez, on va s'enlever le debug mode. Bah, Voilà, par comme contre, je ça on connais est. pas la map, voilà la base. Comment ça, tu connais pas la base? Bah, je connais pas la base. Comment ça, tu connais pas la base? Tu regardes pas mes vidéos? Bah, si, mais il y en a tellement, on se mélange. Ouais, c'est ça, oui. Non, en fait, ils regardent pas mes vidéos de 7 Days, les gens. Il ment. Il ment. Par contre, regarde si tous les coffres sont ouverts. Non, Pour justement. toi. Ok. Dans le coffre qui est ici, il y a un arc 600 si tu veux. Hop, on va tout ouvrir du coup. Vu qu'il y en a des, on a des voleurs qui vont venir. Non, celui-là il est ouvert. Celui-là, je suis désolée les gens, c'est un petit peu de d'inventory. Je l'avais pas retiré des Bugman? J'ai un souci.
Je vole. Voilà. Et là, on va tomber. Arrête de tricher, s'il te plaît. Et mais c'est si fou. J'ai le debug mode qui est enlevé. Vous voyez, il est off et je vole. Il fallait peut-être arrêter de voler avant d'enlever le debug mode. Ah ben, j'ai retiré. Attendez, on le remet on. On revole. On s'écrase. On est dans le sol. Ah, voilà. Voilà. Bien. Vous avez un avis à donner sur Overwatch. J'hésite à l'acheter sur PC, mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Le truc avec Overwatch, je crois qu'il faut ça doit être ton style de jeu. Moi, personnellement, c'est pas du tout le style de jeu que j'aime bien. Donc voilà. Mais je pense, vu l'engouement qu'il y a autour, que si c'est des jeux que vous aimez bien, il en vaut la peine. Donc, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je voulais mettre. On va mettre l'électricité en place, du coup. On va casser tout ça. Tiens, tu veux pas prendre une wrench et venir aider? Oui, je sais que c'est appuyé sur G, mais il voulait pas fonctionner. On va faire de la pièce ici, on va faire de la pièce ici, la salle d'électricité. Comme ça, on va être tranquille. Alors là, on va laguer un petit peu, c'est normal. Il y a Stigmata, il y a Evil qui nous rejoint. Presque juste à temps. Oh bah Nikos, pourtant on a commencé le live très tard. Enfin en retard du coup. Hop, voilà. On va faire plein de petites pièces. Ah oui, attends. Du coup, Evil. Hop. Voilà, tu nous as ajouté. Faut que tu nous ajoutes. Et tu feras une commande DM dans l'inventaire, dans le en F2 pour nous rejoindre. Comment ça va, Nikos? Dans ta course acharnée pour venir nous retrouver à l'heure. Et donc vous pouvez choisir ce qu'on fait demain. Donc ici, pendant la nuit, on va faire tout ce qui est électricité, on va attendre que Evil vienne nous rejoindre. Et demain, on peut s'occuper de tout ce qui est jardin. Donc ça veut dire qu'il faudra aller chercher des... Attendez. Attendez. On n'a pas de tomates! C'est des bananes et des fraises que j'ai! Un truc que je vous ai ajouté, je fais quoi? Donc tu vas dans la commande en F2. Ouais, à 5 km. Au revoir Mano. Tu vas dans la commande en Oui. F2 et tu fais DM. Une fois que tu as ça, tu vas sur la map et tu me Pas cherches pour sur la map. F2. Pardon? Marche pas pour F2. F1? La touche pour ouvrir ta console. Ouais. Et j'écris. DM, Daniel Monique. Puis là, tu ouvres ta barre, ta map, ta Si, carte. si tu vas Pour dans tes faire amis et le que tu fais show, show ouais, c'est à ça côté de aussi, tout Linz, simplement. ça est beaucoup plus rapide. Et une fois que tu m'as vu, tu fais le bouton Shift, clic Shift droit. et tu cliques droit sur moi. Attention, ça va te TP sur le toit. Donc ne bouge pas. Ne bouge pas avant d'être arrivé. D'être fully arrived. Voilà. Le retour de la recherche de la tomate. Ah mais d'office! Ah mais d'office! Moi je quitte pas Starvation tant qu'on n'a pas une tomate. Vous aurez pas l'Alpha 16 tant qu'on n'a pas trouvé les tomates. Ah non non non! Ah non non non! Ça marche pas le DM. Ça marche pas. Dans la console, tu as fait DM Enter? DM Enter, ouais. Et ça t'a pas mis genre debug menu on? Attends, je peux essayer. Je crois que c'est TP.
C'est TP, c'est TP, c'est TP. Alors, comment est-ce que c'est ton pseudo sur... Sigma-8A666. Sigma-8... Puis, tu m'as dit TA666. TA? Oui, TA. Stigmata-666 sur l'INS. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Il met téléporté, player. T'avais écrit sur. Y a pas besoin de mettre sur l'INS. C'est un truc mémotechnique pour savoir lequel est téléporté sur qui. Si il me dit, the given X coordinate is a valid integer. On connaît pas. Du coup, t'es loin. Quand tu es sur, dans la console, tu as un truc qui s'ouvre avec toutes des lignes blanches en haut à gauche de ton écran. Des phrases, mais pas des lignes blanches. Et t'as quoi comme phrase décrite? Salut Lynn, tu dates? Je date? Les chiffres, le fait que j'ai essayé de rentrer DM puis que ça a pas marché. Tac. Et t'as mis quoi? DM en minuscule? J'essaye les deux. Mais ça t'a pas mis des bugs active mode, machin, truc dans le genre? Allô. Refais-le, c'est pas grave. On va récupérer un petit peu de fer hein, sur le chemin en attendant. Pourquoi est-ce que je date? Je comprends pas. Non mais Stavation, c'est un mode de jeu particulier. Oui, c'est un mode de jeu particulier. C'est vraiment modé beaucoup plus que le Vanilla. Donc, tu peux mettre de l'électricité, t'as des animaux, t'as des zombies particuliers, tout ça. Alors ça, oui, on avait retenu qu'on pouvait pas les casser. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a des petits wood frames ici dedans. Hop, on va mettre ça là-dedans. Voilà, s'il te plaît, merci. Voilà, voilà. Tu te souviens pas de moi, Planet Sorcery et tout ça? Si, je me rappelle, mais... Ah, ça veut dire que tu veux dire que ça fait longtemps. Ok. Non, moi, ça, on ne dit pas ça comme ça chez moi. Hop. Alors, du coup... Wow, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de place pour le moment? Non, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus de place pour le moment. Alors, on avait trouvé, en tout début, lorsqu'on était chanceux sur ce jeu... On avait trouvé notre small generator. Donc ça, c'est pas mal. On a un petit moteur. Ce qu'il va falloir aussi, c'est faire du ciment. Donc notre small generator, on pourrait peut-être essayer de le mettre. On va pas le mettre tout de suite. Alors, il faut qu'on fasse les... On va essayer de se remettre là où on était de l'autre côté et que ça ne fonctionnait pas. Donc il nous faut du forge iron. Il nous faut des short iron pipe et des springs. On va faire les lattes. Comme ça, on va regarder tous les crafts qu'il y a dans les lattes. Comme ça, on fera des choses un peu différentes. Sans pour autant revenir sur tout ce qu'il y avait avant. Forge Tyron, on en a un. On est bien. Spring, on en a deux. De mieux en mieux. Et quoi? Short Iron Pipe? On n'en a pas. C'est bien. On en est loin, les gens. Hein, mais ça ira, ça va bien se passer. Vous allez voir. Ah, on en a 5. On en a 8. 8. 8. La chaîne a bien évolué, dis donc. Bah écoute, hein, on travaille tout doucement. J'ai réussi à la TP, c'est télé qu'il faut marquer et pas TP. Ah, et pas TP, TP c'est Minecraft, on a trop joué à Minecraft. C'est ça de faire des lives de 5 heures. Bah du coup, faites-vous plaisir, hein, j'ai envie de dire. Si vous avez des petites vitres. Non ! Arrête ! On va avoir froid après, laisse-les comme ça. T'as dit qu'on devait faire comme on voulait. Ok. Faites des trucs utiles. Et voilà notre fameuse base. Bon, je vais m'occuper du chat, du coup. Ouais, c'est utile. C'est une idée. Ça reste utile, hein. Donc nous, c'est on va aller à la forge. C'est à mon niveau. Si tu veux miner... Mais tiens, tu peux venir miner, si tu veux. J'ai pas de pioche. Moi non plus. J'ai pas de casque de mineur. J'ai une stone axe. Ah oui, mais ça j'en ai un, mais je le garde. Je suis désolée, on le garde.
Alors on va mettre la moitié de ce qu'on a là pour essayer de faire fondre tout ça. On va le turn et donc on a besoin de forgettes iron. On avait combien? Besoin qu'un 35. On va en faire 50. Bon, on en aura toujours besoin d'un petit peu plus. On en fait 50. Craft. Qui aurait des infos sur la sortie de l'Alpha 16? Personne. Personne n'a des infos. Est-ce que tu vas refaire du Highlands? Je ne sais pas. Possible. Possible, possible. Bien le bonjour à tout le monde. À toutes les personnes qui nous ont rejoints. On est 50 sur les lives, les gens. C'est plus qu'hier. Donc voilà. Donc il me manquera deux forgettes iron. Hop. Hop, hop. Et des springs. Ah mince, il va falloir aller casser des trucs. Et il va falloir. Mais voilà, Mano, tu sais ce que tu peux faire? Casser des voitures. J'allais dire faire du miam miam, mais oui, tu peux casser des voitures aussi. Ah, d'accord. Il y a besoin de looter pas mal de trucs aussi, hein. On n'a pas. Ah mince, attendez, on n'a pas la grille. La grille, elle est restée de l'autre côté. Oh, vous savez quoi? C'est en route. Ça va faire venir des crieuses, tout ça, donc on va s'en aller de là. Opa! Opa! Faudra réparer la base aussi. Mais je crois qu'on va pas avoir de horde incessamment sous peu. Neuf? Non, on n'aura pas de horde ce live-ci. Donc ça va. Hop. Voilà. Va falloir refaire un aller-retour après, hein, mais. Alors, ce que j'ai envie de faire. Je suis désolée. Mais au moins comme ça, on passera tout droit. Ce sera plus facile que de faire un double passage, un rond, pour sortir. Un peu fatigué, mais non, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ils sont pas fatigués. Et n'empêche, j'ai regardé hier, donc j'ai fait l'export de la vidéo du live d'hier. Je suis en coupant le bonjour tout le monde et tout ça, et le au revoir tout le monde. On est à 5h40 de live, hein, les gens. Je pense que c'est pas mal. Sachant qu'on a fait encore la même chose sur Minecraft le jour précédent. Alors, je pense, Kevin, toi, tu connais pas très très bien le jeu, c'est ça? Non, non, je le connais, je suis Tu le juste pour connais? m'aligner là. C'est le mode que C'est tu la connais nuit pas. quand même. Il y a des Ouais. vêtements ici si tu veux. Elle a une nouvelle sur Starvation et elle a peur un peu des serpents. Il y a des vêtements Non, des ici en bas araignées, si moi. tu veux. Des araignées, pardon. Mano, la même chose, il y a des vêtements là-bas si vous voulez. Verrouillé. Mais non, Ok, c'est pas merci. verrouillé. Mais non, mais Et non. pareil, le coffre à côté de Non, la c'est pas vrai. nourriture. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Regarde, essaye, tu verras bien. C'est pas vrai. Il y a un peu de viande ici, si vous avez besoin. On est full, nous. De quoi? On est full, comme on vient juste Ouais. d'arriver sur le CERN. Mais si vous en avez besoin plus tard, c'est ici quoi qu'elles sont. Et je vais prendre, je crois que j'ai un peu de pierre et j'ai un peu de pierre et j'ai un peu de fibre, donc je vais vous faire des stonax. Comme ça, vous en aurez quelques-unes de haut niveau et vous pourrez les. J'en ai pris une 35 déjà, 55. Prends toutes celles qui sont dans le coffre là et J'ai tu peux fait. les. Ah, tu les as déjà mises dans le. Ah non, mais je les ai prises. Mais là, et assimile-les. Enfin, tu vois, comment ça Oui, s'appelle? je l'ai Voilà, fusionné quoi. dans la workbench. Fusionne-les dans la workbench. Voilà. Bonne idée. Bonne idée. Salut. Il y a souvent des lives 7 Days to Die. Alors, pour le moment, les lives 7 Days to Die, c'est le vendredi. Tous les vendredis. Et quand l'Alpha 16 va sortir, à mon avis, on va en faire un petit peu plus. Un petit peu plus. J'ai vraiment hâte qu'elle ressorte. Alpha 16. Qui va faire un vote pour celui qui va mourir en premier pendant les hordes? Non mais on n'aura pas de hordes hein, les gens. Mais Ça sinon, ferait je vais quand même gagner, même sans horde. ça ferait 4 jours, 4 jours à 90 minutes, 90 minutes. Je pense qu'on sera couché avant la prochaine horde hein. Je pense. C'est pas sûr. Ah si quelqu'un veut s'amuser, moi je pensais faire le jardin. Oh, il pleut. Mince, non.
Je pensais faire le jardin dans le magasin en face, là-bas, sur le toit. J'aurais voulu faire un chemin qui allait d'ici à là-bas. Et je pensais faire ici à l'étage les élevages. Ce serait peut-être un peu petit pour faire les élevages. Bon, quoique. Ou alors on va peut-être avoir une meilleure idée pour les élevages, je sais pas. Mais voilà, comme ça, c'est plus pratique, on va tout droit. On commence pas à perdre son temps à faire des petits tours. Des petits tours, des petits tours, toujours des petits tours. Ah non, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, on va prendre On son va essayer de arc te retrouver et on est ensuite là. tu pourras nous réexpliquer. Moi, je suis dehors. Et qui est-ce qui a été se faire à manger de l'autre côté et qui a pas mangé? Qui est-ce qui a été chercher à manger et qui a pas mangé? Quoi? Là-bas, oui, moi. Oui, moi. Voilà, là on a ce qu'il faut. Il nous manquera des springs. Il nous manquera 5 springs. Bon, ça c'est pas trop grave. Donc là on n'avait rien mis. Là j'avais commencé à remettre ce qui va être à faire fondre ici dedans. On a encore pas mal à faire fondre, hein. Donc Ah, mais jusque t'es sous là on est terre. tranquille. Oui! Il y a une hatchette dans le fond. Voilà. Attends, laisse-moi sortir. Hop. Vas-y. Là-bas c'est tout ce qui est forge. J'écoute pour voir s'il y a personne qui me court après. Bon, toi, a l'air d'aller. Hoppa! Tu peux passer par l'intérieur, Evil, hein? J'ai fait un chemin pour être le plus sécure possible. Vous savez, moi, la grosse couard que je suis. Non, ça fonctionne pas. La grosse couard que je suis, au moins, on est tranquille. Même si au final, je crois qu'on a tellement nettoyé la zone qu'il y a plus personne. Donc, du coup, tant qu'on n'a pas les springs, on sait rien faire. Donc, on va les remettre ici dedans. Ça y est, j'ai les yeux qui pleurent. J'ai l'impression que j'ai les yeux qui pleurent de plus en plus vite quand j'ai pas mes lunettes. Ça me rend Bah, triste, les gens. faut les mettre alors. Ça me rend triste, les gens. Ah, 2 secondes. Voilà. J'épuise mes quelques petites larmes. Voilà. Alors. Qui voudrait jouer à 7 Days avec Linz pendant un live? Il y en a beaucoup qui voudraient? Pas moi. L'Asiaque, mais bienvenue dans la communauté. Alors, pas moi, non, pas moi. Moi, j'en ai assez, moi. Elle m'oblige à venir à chaque fois. Non, non. Bah, c'est ça, oui. À peu de choses Excellent, près. excellent, Von Bunker, j'avais jamais vu. Ah, mais ça, c'est sur la map normale, hein. Je vous ai mis toute une série de stone axes dans le coffre à outils. Si vous voulez les prendre et vous les assimiler dans. Allez, les combine dans la workbench, allez-y, hein. C'est fait pour. Voilà. On va les manger. On va les manger. J'ai des armes aussi, hein. Prenez, servez-vous. Ne vous laissez pas sans rien. Moi, j'ai quelques flèches sur moi, donc allez-y. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà. On va manger. Donc on y est, hein. Parce que c'était un peu pour ça à la base qu'on était venu. On va fermer le truc. Et chrom, 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 chrom. Chrom, 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 chrom. Moi, je voudrais jouer avec Lynn the 7 Days, mais j'ai pas le jeu. Ah, ça, c'est un petit souci. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut vite, vite s'arranger, ça. Hein. Tu l'achètes, puis voilà. Je pense que c'est un bon investissement. Hein. C'est la fatigue, ça. Une amie est pareille, Lynn. Eh ben non. Bizarre, enfin. Peut-être pour ton ami, mais en fait, je reste souvent devant, je reste longtemps devant le PC. Et quand j'ai ces lunettes-là, enfin depuis, je les ai depuis Tours, en fait, je les ai achetées à Tours. Eh bien, ça va beaucoup mieux. C'est peut-être la fatigue des yeux, oui. Hello, hello, Miss Lynn, c'est bienvenue, Jérôme. Bon live à toi aussi, qui va bientôt disparaître pour regarder le live en plein écran. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, on a eu un petit souci avec le serveur Starvation. Donc, on est venu sur mon solo avec Mano et Evil. Pourquoi? Pour essayer d'avancer dans le jeu, essayer de voir les choses qu'on n'a pas vues dans l'autre partie. Et comme la nouvelle version de...
du jeu va bientôt sortir, ben comme ça pour essayer de vous montrer le maximum de choses qu'on n'a pas vues. Ici, en fait, s'il y a quelqu'un qui veut, il y a des bouteilles d'eau qu'on pourrait aller remplir si vous ne savez pas quoi faire. Zombie. Ouais, j'ai entendu. Ah, il y a une. Attention, ils vont rentrer. Oui. Ah, il y a une crieuse. Est-ce qu'elle est? Elle est là. Non, c'est pas une crieuse, ça. Ah, ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Faites attention, hein, parce que vous savez. Ouh, là, je lag un petit peu, par contre, s'il y a des zombies. Ah! Ok. Hop. C'est pas ça qui va les arrêter très très longtemps, hein, mais bon. Où est-ce qu'ils sont? Attention qu'il y a encore un rampant qui va peut-être pouvoir monter. Ah, il est monté. Voilà. Ah, j'ai un pas de pas pouvoir frapper autant que je veux avec ce truc-là. Ah, je crois que je vais te frapper, en fait. Il est mort. Ok. Ça va, ça lag pas, les gens? Moi, si, un petit peu. Sur le live? Mince, ils vont casser la porte là-bas. Il est où? Où est-ce qu'ils sont? On les entend? Ah, là. Mince, ils vont être en dessous de moi. Voilà. J'aime bien les... Allez, vas-y, deux! Vas-y! Mais prends mon arc! Voilà. Les petits pas de danseuse qu'il fait comme ça, lui. Voilà, lui, il est mort. Elle est morte aussi. On est bon. Et nous avons Kenji qui s'est abonné à la chaîne. C'est vrai que le son, en fait, des abonnés, si comme il y a des zombies comme ça, on le distingue pas des masses. Mais il a le don un peu de me surprendre sur tous les autres jeux, donc... C'est sympa. Il y en a encore un quelque part? Oui, à l'intérieur, ici. Ok. J'attends qu'il casse la porte et... Non, 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 on n'attend pas qu'il casse la porte. Non, mais il est dedans. Et moi, je suis dehors. Et pourquoi t'attends qu'il casse la porte, justement? Parce qu'il y a une porte entre nous deux. Mais ouvre-la pour pas qu'il la casse. Mais elle était verrouillée. Ah. Il y en a encore qui arrivent dehors, j'ai l'impression. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Là. Hé, je t'ai frappé, toi. T'es morte. J'ai l'impression que je la touche même pas. Ah, voilà. En dessous de moi, Evil, tu dois en avoir un. C'est qui ça? Ah non, c'est Mano qui en a, il y en a une en dessous de moi. Oui. Si je lui tire dans le pied, ça marche pas. Non, 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 non. Mais je peux pas tirer si t'es en dessous de moi. Oh. Mais t'es nul. Il y en a encore sur la gauche qui arrive, hein. Ou au final, on va pas trop s'ennuyer cette nuit-ci, hein. M'arrête. Arrête de courir, s'il te plaît. Je peux pas te tirer dessus. Si on cassait le... Voilà. Si on cassait le tuyau qui est en dessous de Mano. Ok, je te laisse tirer. Je te laisse t'occuper de celui-là. Je crois qu'il y en a encore ici à l'intérieur. Il y en a deux là où je suis. Trois. Et il monte. Et il me tape. Ok, attends, je m'occupe déjà. Ah non, 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 non.
Bah, je crois que je vais mourir. Ah. Ouais, je vais mourir. Il faut que je change cette arme. Ça m'énerve. T'as pas assez de vitesse d'attaque avec, donc si tu rates ton premier coup, bah, lui, il a le temps de t'attaquer 3 fois derrière pour... Oh mince. Je pleure. Ah mince, je suis dans le bunker, moi. Ah non, je suis au-dessus de la base de défense. Oh, je continue de pleurer. D'habitude, ça va mieux. Allez, vas-y. Vas-y, charge, charge. Bonsoir, Lynx, Mano, Evil et le chat. Bonsoir, Cédric. Ça fait de la pub. Oui, je vois qu'il y en a qui prennent la liberté de faire de la pub. Merci Victor de t'être abonné. J'étais un petit peu occupé, tu l'as remarqué. Hop, donc je ne l'ai pas vu tout de suite. Bon, voilà, on a perdu les 100 de wellness. Ça, c'est à cause d'eux, hein. Vous voyez, si on était tout seul, on aurait survécu. Vous savez quoi? On va rester là. On va rester là, nous, hein. C'est eux qui ont fait venir du monde, après tout. Bah, non. Ben... Toi qui as allumé la forge. Mais la forge, elle est ici. Elle est pas là-bas? Fusil à pompe, Lynx. Oh, c'est trop facile. Ah mince, en même temps, je vais être folle maintenant. Attendez. Vous avez vu qui a failli tomber dans les pics? Non, c'est pas moi du tout. C'est pas vrai. On va essayer de se faire une batte électrique. Dès qu'on a le letter, on va faire une batte électrique. Ce sera plus pratique. Au moins, la batte électrique, on sait qu'on peut, on peut enchaîner les coups. C'est plus pratique. Tout ça pour essayer d'aller sauver Mano, hein. Mais j'avais pas besoin d'être sauvé. Oh, ça va, on va te laisser te débrouiller tout seul, alors. Qu'est-ce qu'on avait dans notre sac? On n'avait pas grand-chose. Pour une fois, on a nos flèches dans nos... Oh, c'est pas pratique, c'est... ces trucs-là. Ah, il y en a un qui est bugué. J'ai plus de flèches. Ah bah écoute, t'as pas besoin d'être sauvé, donc débrouille-toi, hein. Y'en a encore... Ou juste en dessous de moi, peut-être? Par contre, Mano, fais gaffe, hein. T'es au sol, mais y'en a encore un par terre. Ouais, mais tu vas me dire qu'il va être 4 heures, donc... Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Il casse quoi? Ah, là-bas. Oh, j'ai pas eu la musique, comme quoi il était 4 heures. J'ai pas eu la musique. Non, du tout. Je dis juste que Lynx m'a donné envie de reprendre. C'est comme un... T'as comme... Ouf! Comme un minimum pour en faisant ta pub. Mais bon, c'est pas grave, t'inquiète. Hop, hop. Ah oui, il nous faudrait des... On avait dit qu'on mettrait des cadres ici. Si on allait faire ça. Les 4 heures, attendez, on va aller chercher des cadres. Ça, on n'a pas encore. En plus, on va avoir la grippe. Oh, ça va être chiant, ça, par contre. Il y a une belle... Oh, bah non. On va aller chercher de l'eau. On va prendre de l'eau en même temps. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais réussir à me focus dans la game. Je vais y arriver à un moment ou un autre. On va y arriver. Je vous promets qu'on va y arriver. Ok, troisième tentative. Enfin! Enfin! Ok, maintenant on est fou, on a la grippe, on a tout. On vient de mourir, on peut pas avoir un pire départ que ça. Par contre, il va falloir tuer tous les corps pour faire disparaître la hit de la zone. Voilà. Et on a la wrench sur nous. Non, on n'a pas la wrench parce qu'on n'a pas été récupérer notre sac. Voilà. Non, ça c'est pas un corps. Deux de stamina, c'est bien. Juste, tu pourrais me dire le nom des différents zombies. Oh!
Oh, je le connais pas par cœur. Je les connais pas par cœur. Je sais qu'il y a la maman zombie, il y a Joe, il y a Marlène, il y a le cop, il y a le chien. Mais on la voit quand Mila Jovovich? Ouais, jamais. Jamais. Je suis plus du style blonde que noir de cheveux. J'ai le jeu Seven Days to Die. Je pourrais jouer avec toi un jour. Bon, on fera certainement des game at bot de temps en temps. Donc oui, pourquoi pas. Par contre, là, on n'a pas de wood frame. Donc ça, c'est pas bien. On ne sort pas sans des wood frames. On ne sort pas sans des wood frames. On va en faire une vingtaine. Hop. Voilà. Allez, go. Voilà. En même temps, on reprend sa stamina. Et on part promener. Bonsoir, Kabuto. On avance tout doucement, tout doucement. Maman, là-dedans, il y a un lit. Je crois pas que je l'avais démonté. Je crois pas que je l'avais démonté. Et je pense même qu'il y a des tableaux. Donc on va pouvoir. Voilà. Voilà. Non, il y a du monde, sérieux? Ah ouais. Allez, viens. Voilà, ok. Vous n'allez pas me laisser me reposer sur le lit tranquille, c'est ça? Non, vous n'allez pas vouloir me laisser me reposer sur le lit tranquille. Oh, j'aime bien ces tableaux-là! Nice! Nice! Alors, on va prendre. Oh, mince, j'ai générateur sur moi. Pas bonne idée! Pas bonne idée! Pas bonne idée! C'est du Minecraft pour adultes en fait, ce jeu. Ouais, c'est ça. Toi, viens. Tout est fermé, ok. Donc. Ah! Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis chez vous peut-être, excusez-moi. La porte était fermée, je suis passée par la fenêtre. Et toi apparemment tu préfères casser le mur plutôt que sauter. C'est comme tu le sens, t'inquiète pas. Y a pas de souci avec ça. Me doutais bien que les voisins ne seraient pas très très contents, mais bon. Alors, on a peut-être un peu soif. Espérons qu'on ait un peu soif. Voilà, on a un peu soif, donc on pourra au moins un peu avancer. C'est quoi la différence entre la version PC et la version PS4? Plein de choses. Plein de choses. Le render distance est différent, les bâtiments sont différents, La tu n'as mise à pas le jour. principe de la workbench. Tout, en fait, tout ce qui est de l'Alpha 15 sur le PC, vous ne l'avez pas sur console. Que ce soit PS ou Xbox, je pense que c'est la même chose. Bon, aussi un petit peu, hein, ça peut être vu comme du Minecraft pour adultes avec tous ces blocs un peu carrés qu'il faut. Bon alors, est-ce qu'on va le faire en une fois? Oh, c'est une blague, s'il te plaît! Mais non! Avant, là c'est l'excuse, j'ai pas de stamina, c'est pour ça. Voilà, vous voyez qu'on a la stamina, ça va tout de suite plus vite. Ah non, c'est là qu'on doit aller. Oh! Voilà. Et on va mettre les beaux tableaux. Non, les beaux tableaux, j'ai dit. Ceux-là. Bon, 2 secondes, les zombies. Vous m'avez déjà tué une fois. Hein? Vous allez attendre un peu. Voilà. On a 15 en santé mentale. On va faire ça. Comme ça, notre flou va partir et on va redevenir zen. Regardez comme ça monte vite. Si on met 2 tableaux en plus, est-ce que vous croyez que ça monte encore plus vite? Attends. Voilà. Mais les serveurs PS4 accueillent que 4 personnes. Ouais, ça c'est. Le plus dangereux, c'est lequel? Je sais que je pose beaucoup de questions, mais ce jeu m'intéresse. Ils ont chacun une spécificité différente. Hein. On va encore attendre un petit peu. On n'a plus la floue, mais voyez en haut, ici, là-bas, à côté, je suis tout encore en jaune. Attendez, je peux faire ça. Vous voyez ici, je suis encore en jaune, donc elle n'est pas encore totalement guérie, quoique. Si, elle commence. Elle commence à avoir un peu d'amusement. Donc on va encore attendre un tout petit peu que ça augmente, comme ça on pourra avoir notre stamina qui va rester à flot tout le temps.
quand je suis arrivée, j'ai vu tout le monde en sous-vêtements, j'ai cru que vous aviez changé de jeu et pris un dead game. Non, ce n'est pas vraiment mon genre. Ils viennent d'arriver, donc c'est pour ça qu'ils sont... Non mais, on va nous laisser un peu tranquille aujourd'hui, ou comment ça se passe? Allez! Oh, il y a le bébé, l'enfant zombie! Ouais. Gardez ça! Attendez, on va tuer les autres. Hop! Oh, c'est une blague! Arrête de bouger ta tête quand je te tire dessus, s'il te plaît. Voilà. Ce qu'elle est. Par contre, elles sont super difficiles à tuer et je crois pas en fait qu'elles ont du loot spécial. Je trouve ça horrible en fait. Maintenant, le plus difficile des zombies sur le jeu normal, je pense que ce serait le feral. Pourquoi? Parce que le feral court toute la journée, pas seulement la nuit, peu importe le mode. Il fait beaucoup de dégâts. Ça y est, oui. Ou sinon, le policier, peut-être. C'est bizarre, hein. Elle prend vraiment... Ah! Elle fait mal. J'ai pas envie de savoir si elle meurt. Elle m'a tué tantôt. Pardon? Oui, elle fait mal à me tuer tantôt. Ah, t'es morte une fois, toi? Yep. Ah, mais vous le dites pas, en fait. Pas discrètement. Oh purée. Mais elle a pas l'air de nous attaquer en fait. Bah non, c'est ça que j'étais en train de me demander. On peut pas juste la laisser tranquille. Hein? Plutôt que de s'acharner à trois avec des armes sur une pauvre petite fille. Petite fille zombie en même temps. Bah elle nous attaque pas. Elle nous attaque pas jusqu'au moment où elle va commencer à... À te regarder. Ah, la belle jugulaire qui passe. On avisera à ce moment-là. Normalement, elle se tue. Il paraît qu'il y avait quelqu'un qui l'avait tué. Je sais plus c'était qui. C'était toi, Mano, qui l'avait pas tué une fois. Et si. Arrêtez de taper Evil. Bon, on tape pas Evil. La petite fille zombie, c'est pas Evil. C'est peut-être Evil quand elle était petite, hein. Non, j'étais pas blonde. Ah non, t'étais pas blonde. Ah, alors non. Est-ce qu'il y a un côté RPG dans le jeu? Par exemple, un système de skill upgrade, améliorer les capacités du perso? Mais oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Déjà, tous les... tu vois, tous les outils en dessous, ou tous les outils ou... armes, tu as un niveau, un niveau ici en dessous. Le 206, ça veut dire que c'est à ce niveau-là. Et ça veut dire que je les craft à ce niveau-là. Donc tu as un skill de craft d'outils, tu as un skill de craft d'armes, et puis tu as un arbre de compétences qui est, voilà, assez développé, on va dire. Laisse-la tranquille, elle attend le bus pour aller à l'école. Mano, est-ce que tu peux nous ramasser plein... Elle n'est pas encore morte. Ok, quand elle sera morte, est-ce que tu peux ramasser de la terre? Oh. Qui est-ce qui a tiré? Moi. Il y avait des... comment? Ah mais non, il faut des voitures. Bon, attendez, on va faire une batte électrique, sinon on aura un peu d'ennemis. Qu'est-ce que je disais? Mano, tu peux nous ramasser des... De la terre. De la terre, oui, pour faire le champ. J'irai casser encore là-bas au-dessus. Elle est toujours pas morte là? Comme tu peux le voir, non. Et comme je lag un peu, je loupe un coup sur deux, donc je vais arrêter de tirer. On a un petit peu de balles, hein, mais un petit peu. Hein. De toute façon, c'est ce que j'avais trouvé sur un zombie, donc. Ben, je crois qu'on en a 1000 de balles. Ouais, peut-être un petit peu moins parce que j'ai fait une horde. Ah! J'ai fait une horde, mais. On a de quoi tenir une horde, je pense. Ou deux. D'accord. Alors, maintenant, du coup, je crois qu'on a pour faire le lat. En défaisant le lit,
on a ramassé les springs qui nous manquaient. On dirait moi pour aller en cours. Tu te fais tuer par des messieurs comme ça quand tu vas en cours ou tu veux qu'on en parle? Parce que Un monsieur et deux madames. Un monsieur et deux Nuance. madames. Oui, mais moi j'arrête et Evil aussi, je te signale. Hein. Alors, allez, 3 minutes 40. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? On va mettre tout dans le coffre là-bas. On va vider. Je vais pas aller chercher de l'eau, moi, si, hein. J'ai un peu oublié. Oui, j'ai un petit peu oublié. Hop, on a ça, on va garder ça. Shrom, 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 shrom. On va le mettre là. Comme ça, on le retrouvera facilement. Alors, on va mettre le latte ici. Qu'est-ce qu'on pourra mettre d'autre? On avait quoi d'autre comme petit machin qu'on n'avait pas fini d'utiliser? Le mill, mais le mill, on n'a pas et le boiler, on l'a pas. Il faut trouver, ou alors on peut peut-être acheter les skills. Attends, dis 1000, c'est pas le steam. Hein. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Steam Powerbook. Le mill et le boiler. Il me faut 20 en science, autant vous dire qu'on les aura pas tout de suite. Il faut qu'on aille looter les gens. Mais je vais me vider dans la base d'abord. Lens, il y a un taureau aussi. Taureau, venez, on va essayer d'aller, on va essayer d'aller le thème. On a. Il y a encore un zombie. Non, ça c'est moi. Ah mince. Le problème c'est que je suis en train de construire le latte, donc j'ai un petit peu dans mon inventaire en attente. Que j'ai pas une whip ici dans... Ah voilà, voilà. Level 26. Allez, on y va. Elle était où, ton taureau? Où est-ce que tu es? Là-bas. Si c'est toi, ça, tu fais un drôle de bruit. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Et alors? J'ai l'impression que c'est plutôt un zombie. Hein, mais que toi, mais... Alors, Evil, elle est quelle couleur? Evil est bleue. Donc, elle est là-bas dans le fond. Et Bob et l'autre, ils sont bons pour Minecraft. J'avoue que ça me fait mal de les regarder jouer. Mais bon, c'est ça un peu le souci quand tu fais une découverte d'un jeu que tu connais pas. C'est que t'en connais pas les particularités et autres. Et j'imagine que bah, moi, je joue à des jeux aussi où les gens se disent non, mais pourquoi t'y penses pas et pourquoi tu fais pas ça. Mais voilà, on ne connaît pas les jeux, on les découvre. Qui est la Québécoise qui joue avec vous? Mais c'est Evil? C'est toi ça? Ouais, c'est toi. Husband, lui, level 4. Allez, viens, près de moi. Il y a un zombie derrière toi. Ouais, du coup, sur ma droite. Ma gauche. Oh, il y en a plusieurs, il y en a deux. Non, mais... Voilà. Allez, viens ici. Bon, ben, je ramène à manger, hein, les gens. T'as pas un os? J'ai ramené à manger aussi tout à l'heure. Toi, t'as un os pour moi. Oui, toi, t'as un os pour moi. Ok. Si tu as un autre os, je te fais un bon chiffre avec dans 30 secondes. Tiens, on prendrait bien des chrysanthèmes et tout ça pour faire des thés. Oh, des petits nids, toujours des petits nids. Hop, voilà. C'est fait. Vas-y. Notre latte est fait. On va enfin pouvoir avancer pendant l'épisode. Si j'avais su qu'on allait faire ça, j'aurais préparé les épisodes avant. Mais là, c'est vrai qu'on a été un peu de court. Glims, est-ce qu'il y a des bunkers sur PS4? Est-ce qu'il y a des bunkers sur PS4? Si je me réfère à l'Alpha 14, il y a le bunker dans lequel je suis, il y est. L'Alpha 15, il y a deux bunkers. Il y a ce bunker dans lequel je suis et il y en a un autre. Moi aussi, je veux des buffles. Par contre, attention, MXS, les majuscules, s'il te plaît. On reste peaceful dans le chat. Pardon? Le livre anti-radiation thérapie.
Je ne crois pas, non. Je ne sais pas, mais vas-y, prends-le, t'inquiète. Je crois que mon personnage a chaud. Je crois, hein. Je suis pas certaine, mais je crois. Alors du coup, maintenant, il va falloir faire un petit peu attention parce que ici, c'est ouvert. Si on veut ouvrir. Hop. Il va falloir faire un truc pour accéder. On va peut-être devoir condamner en fait les escaliers et alors monter à une échelle ici. Au moins comme ça, on serait tranquille. Par contre, ça veut dire qu'il faut casser tout ça. On va faire ça. Oh! Il y a quelque chose. Oh, mais attends, je vais vous garder pour une vidéo. Ok, on a le latte. On a le générateur. J'ai vu quelque chose dans une vidéo. Si vous êtes sage, tu vas dire, mais on fonctionne pas au chantage. Si vous êtes sage, je vais vous montrer quelque chose. On va prendre un petit peu de temps et on fera quelque chose. Ah oui, il faut passer d'abord ça. Voilà. Et puis maintenant, on peut placer ça. Non. Pourquoi? Normalement, là, t'es à côté, hein, c'est bon. Ah, je l'ai pas bien placé, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, mais on va être tranquille avec les zombies aujourd'hui, ou... Alors, je sais plus, c'est quel côté du générateur qui fonctionne, qui donne de l'électricité. C'est toi? Alors, attendez. Non. Pourtant, là, il y a un bloc vert, hein. Donc, normalement, le bloc vert à côté du générateur devrait fonctionner. On va faire un câble, peut-être, pour voir si ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, il nous faut du copper. On n'a pas de copper. Pfft. Ok, alors pourquoi toi tu fonctionnes pas? Est-ce qu'il y a le petite signalétique verte sur toi? Mais normalement, toi c'est partout, hein. On va essayer quelque chose. Mince, j'étais trop loin. Hop, hop. On l'avait mis comme ça, hein. Voilà, on va faire ça comme ça. Et comme ça, on peut le placer. Et là-bas, on ne peut pas. Vous voyez, en bas, au niveau de la barre de tâches, j'ai Cannot be placed next to une power source. Tandis que si je fais ça, hop, si je le mets là, il veut bien. Attends, s'il te plaît. Si je le mets là, il veut bien. Non, il veut plus. Non, mais tu le voulais bien. Non, tu le voulais bien. Ah voilà, tu le voulais bien. On est gentil. Bon, elle est mise à l'envers, hein. Normalement, c'est la balle devant.